D'accord, donc là, on a eu une réclamation d'un client qui nous dit voilà, il ne peut pas en fait faire des virages avec le mini scooter. Donc du coup, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous montez dessus. Vous faites attention parce qu'en fait, on utilise ce guidon pour donner l'orientation. Donc du coup, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir les jambes qui touchent le guidon. Vous n'avez pas besoin qu'il arrive au genou ou je ne sais pas moi où. Juste si vos jambes touchent dessus, c'est bon. Donc là, vous allez voir, on va faire un exemple. Vous voyez, je peux bien me contrôler. Je peux tourner. Je peux tourner à 360 degrés. Donc le bruit, en fait, c'est le bruit du caoutchouc sur les carreaux. C'est normal que ça fasse ce genre de bruit. Donc vous voyez, c'est tout à fait très pratique. C'est très pratique et tout fonctionne très bien. Donc il suffit juste d'un petit contact en fait avec le guidon et savoir le manipuler et avoir une bonne rotation à 360 degrés. Au revoir.